Salut à tous, c'est Chris. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment fonctionne la rampe PMR sur un Crossway d'Irisbus. Donc déjà, on met le contact, ce qui paraît en soi logique. Et ensuite, on va l'appuyer sur ce petit bouton, avec le logo handicapé dessus. Voilà. Maintenant, il ne reste plus qu'à ouvrir la porte arrière. Et je m'excuse par avance pour vos tympans. En fait, ce qui se passe, c'est que j'avais oublié de faire gonfler le bus avant de faire la vidéo. Et donc, il avait plus d'air et il nous le fait gentiment savoir. Donc voilà, désolé les gars. Donc là on va aller voir la rampe PMR sur la porte médiane, la voici. Donc pour la contrôler c'est assez facile, on a une télécommande qui est accrochée sur la paroi à gauche, donc on va la prendre dès maintenant, la voici. Donc elle dispose de trois boutons, le bouton du haut permet de faire monter la rampe, celui du milieu de la faire rentrer, et celui du bas de la faire descendre. Pardon. Sachant que pour la faire sortir, j'y viens, on peut appuyer soit sur le bouton du bas, soit sur le bouton du haut. Donc si on appuie en bas, elle sort et elle descend. Si on appuie en haut, elle sort et elle monte. Voilà, donc pour la manipuler, c'est assez facile. Il suffit juste de bien rester appuyé sur le bouton. Car si jamais on lâche le bouton, elle s'arrête. C'est un système de sécurité. Voilà, donc là, on va la laisser sortir tranquillement. Voilà, maintenant, pour la faire monter, donc c'est le bouton du haut. Toujours pareil, on reste bien appuyé dessus. Donc alors, c'est un système qui dispose de trois systèmes de sécurité. Donc déjà, si on lâche un bouton, la rampe s'arrête. Et ensuite, il y a deux boutons poussoir d'arrêt d'urgence, un sur la paroi gauche, près de la porte gauche, et un sur la télécommande. Voilà, donc maintenant, pour la faire rentrer, donc pareil, bouton du milieu, on reste appuyé dessus, et on attend que la manip se termine. Donc voilà, les gars, c'est assez basique à utiliser, c'est assez simple, et je trouve que c'est assez bien fichu et assez pratique. Après, il reste plus qu'à à ancrer le PMR dans le bus, là, c'est un peu plus long à faire, et c'est encore une autre histoire. Et voilà pour cette vidéo les gars, donc j'espère qu'elle vous a plu. Moi perso j'ai adoré, c'est tout le mec qui parle, il est génial quoi, franchement c'est un gars, il est terrible. Non, bon, tout ça pour vous dire que bon ça y est, depuis des mois et des mois j'ai enfin décidé de mettre ma voix sur les vidéos. Donc voilà, j'ai souvent eu la remarque dans les commentaires, donc ça y est, c'est fait. Voilà, dès maintenant je parle, ce sera plus vivant que les simples textes sur les vidéos. Ouais, non, en fait, ça, surtout pour vous dire que donc le hors-série, il est enfin prêt, il est enfin monté, et qu'il va sûrement sortir courant semaine prochaine. Dans ce hors-série, je reviendrai sur la chaîne YouTube, mais également sur le projet CBS, qui a beaucoup avancé en sous-marin ces derniers mois, et donc je voulais vous faire un petit peu part des évolutions. Voilà, donc, écoutez, restez bien branchés, et puis, je vous dis à très vite. Allez, salut.